13h, heure locale, nous apprenions ici à Kinshasa que les para-français avaient sauté sur Kolwezi. Ils auraient été largués au centre de la ville. Leur consigne était de gagner très rapidement du terrain, en direction notamment du collège Jean 23, où sont regroupés une partie des étrangers vivant à Kolwezi. Pendant l'attaque, des Mirage 3 Zaïrois devaient survoler la ville à basse altitude. Le bataillon 111 du Zaïre aurait eu, lui, l'ordre de contourner la ville afin de couper la retraite aux rebelles et d'éviter ainsi qu'ils n'amènent des otages avec eux dans leur retraite. Et dans le même temps, le président Valéry Giscard d'Estaing s'explique sur les raisons de cette intervention militaire au Chabat.